Tu peux me citer 2-3 autres morceaux de Fab? Les Bertinas. J'ai envie de t'enlever 2 points, mais je le ferai pas. Tu m'as soufflé Libertinas derrière. Oui, l'impertinence. Libertinas. Il a dit Libertinas. Ça veut dire ça, ça souffle. Ça souffle, ça souffle de ouf. Normalement, on n'accepte pas les souffles. Salut la famille, je suis Mehdi Maizi et tu regardes Rap Jeu, la seule émission de jeu sur le rap au monde, donc forcément la meilleure. Aujourd'hui, un casting qui fleure bon le couscous et la bouillabaisse. Alors à gauche, il vient de sortir son nouvel album en physique. On y retrouve entre autres le tube Melegim, déjà single de platine. Bientôt diamant. Trésor national de son pays, juste derrière Zidane, ou pas loin. Anciennement MC Soul, anciennement dans un groupe de rock algérien, anciennement pilier d'Africa Jungle, le faiseur de tube, la machine à refrain, le tireur d'élite d'Affranchi Music et d'Hyperfocal. Soul King est avec nous. Franchement, je mets un point. Merci. Oh, merci, point. Merci. Soukine, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Très heureux que tu sois là. À tes côtés, ton gars sûr, quand il ne shot pas, pop 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 avec Naps, il tape des freestyles énervés, trop vieux pour la bagarre, il préfère crosser ta mère. Ah, c'est vrai. Ouais. Seul au moment d'avoir mis sur Insta une photo de Dubaï où il n'y a pas de soleil. Ça, ouais, ça veut dire ouais. À quel point t'es authentique quand même. Ça, c'est incroyable. Ça va, il faut des recherches, hein. Non, franchement, bien. Cliff, ok. Ziv, Ziv, pour c'est les ça. Intimes, ouais. Est avec nous. Prêt pour la guerre? Ah, on est prêt, frérot. Ah, comme jamais. Heureux que ce soit. Très beau maillot. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de ce maillot? Slimani l'a offert à mon frérot. Et moi, je lui ai demandé, je lui ai dit franchement, voilà, je le kiffe trop celui-là, faut que tu me le passes. Magnifique. Voilà. Tu peux montrer le focage et tout ça? Bien sûr, frérot. Frérot. Voilà, quel... Bien sûr. Quelle prestance. Quelle prestance. Slimani. Non, ça compte pas, ça compte pas. Face à eux, quand on parle de duo d'humoriste du Sud, certains pensent au Chevalier du Fiel. Mais si on parle de série à Marseille, c'est soit vous, soit Plus belle la vie. Un duo de bout en train, la relève de Titoff et Patrick Bosso, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un enculé. Ils vont collaborer avec au moins une cinquantaine de rappeurs sans jamais sortir de disque eux-mêmes. Partie de rien, ils ont sorti plusieurs saisons de sketch sur YouTube en explosant les compteurs et en ont tiré leur propre film, un film de Sgeg, selon l'Algérino, hein, qui est critique cinéma à ses heures perdues. Les dégâts sont avec nous. Comment allez-vous? Ça va, ça va. On est concentré là, on est concentré. Je vois que vous êtes concentré. Un affranchi des moustaches de l'Algérie, de l'autotune et des accents du Sud. Rap Jeu, c'est le guide du routard 2020. Et c'est parti. Alors, on va commencer, avant de jouer, avec le choix du nom des équipes. Soul King, quel est ton personnage de manga préféré? En ce moment, c'est Kibutsuji. Évidemment, je n'ai pas la ref. Demon Slayer. Évidemment, je n'ai pas la ref. Nous aurons ici les merguez Kibutsuji. 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 Voilà, c'est le nom de cette équipe. Votre mot d'argot marseillais préféré, messieurs? La conne de t'es mort, mais... Conne de t'es mort, hein. Ouais. Ok, donc non, ici nous aurons les guesmer conne de t'es mort. Ah, t'es grand mort, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Conne de t'es mort. Rap jeu, c'est parti. On va enfin commencer à jouer. Première épreuve, le punchline au tronc. Je vais vous donner une punchline, il va falloir me dire de qui elle est. Par exemple, si je vous dis « je baisse que des mères comme Macron », la bonne réponse étant… Calage criminel. Bravo. Ouf, si vous êtes sûr de la réponse, vous me dites « en esprit » et directement le nom du rappeur, c'est 2 points. Si vous n'êtes pas sûr, vous me dites « en moula » et je vous donne le choix entre 2 rappeurs. Ouais. 2 points si vous le dites dès « en esprit » et 1 point si vous l'avez bon, si vous avez avec « en c'est moula ». C'est ok. Est-ce qu'on peut tester les buzzers, s'il vous plaît? Mais hein, il fait pas trop de bruit par rapport au lore. C'est vrai, le vôtre est beaucoup moins bien. La Kishta. Et moi, c'est vrai que ça se dit rien. La Kishta. C'est vrai qu'il est nul le vôtre. André parle mal. Je crois qu'il dit oh putain. Première punchline, je suis dans les pills comme le dioxyde de manganèse. En esprit, ça veut dire plusieurs réponses. Non, en esprit c'était direct. Donnez-moi un rappeur. Tu peux répéter? Est-ce l'enfoiré? Ah vas-y, c'est bon. Mauvaise réponse. En plus, on a rien entendu, la Kishta. Non, en moula. En moula, j'ai rien dit, je dis la Kishta moi. En moula. Est-ce qu'il s'agit de Dinos ou de Freeze Corleone? Freeze Corleone. 1 point, vous égalisez. Allez, merci bien. C'est carré ma gueule, putain. Pas les couilles, on s'en fout, on va gagner. Putain. Allez, vas-y. Punchline suivante. Tu veux que je dise aux jeunes de voter, que j'explique que c'est important? C'est moi. Mais oui, c'est moi. C'est lui. J'avais pas fini. Ah, c'est moi. T'as marre, tu te trompes. Non. Là, on est à moins 2. Là, on est à moins 2. En esprit ou en moula? Non, mais en plusieurs, genre en moula. Est-ce qu'il s'agit de Sadek ou de Kalash criminel? Mais je n'ai pas fini la punchline. Non, mais non, moi je buzz et toi tu réponds. Kalash criminel. Très mauvaise réponse. Mauvaise réponse, c'était Sadek. Punchline suivante. La vie est une punchline, la mort en est une autre. Ah vas-y. Ça, ah il faut voilà. C'est le but du jeu. Attends que je finisse. C'est triche. C'est vous. En esprit ou en moula? En moula. En moula. Booba ou Maître Gims? Maître Gims. 2 points. Merci. 4 points parce qu'on l'a dit, on l'a dit tous les deux, frérot. 2 points. C'est sur les morceaux. Mais ça va pas toi. On a tendance à l'oublier, mais à la toute base, Gims, c'était quand même un mec assez sombre dans ses punchlines. Avec par exemple, quand il y a l'anniversaire d'un gosse, tu ne fais que fêter un pas de plus vers sa mort. Si mon dos est musclé,
C'est dû au poids de mes péchés. Et bien sûr, je pense à ces immigrés qu'on entasse. La France est hypocrite, comme les aventuriers de Koh-Lanta. C'est vrai que c'est Claude qui méritait de gagner cette année. Attendez que je finisse de poser la question. Mais pourquoi c'est allé sur eux? Parce que vous avez buzzé avant que je finisse. J'essaye d'imposer mon autorité comme je peux. Allez, let's go, vas-y, continue. Je claque mes doigts sur son gros boule. En moula. Gradure ou nécrophile? Nécrophile. Un point. Par contre, on a... C'est carré, ma gueule. Ah, la tienne, cousin. Il est fan, il est fan. On enchaîne. Allez, 4-1. 4-1. Tu veux un autographe, viens prendre la photo. Attends, viens prendre la photo. Viens prendre la photo. Il connaît les petits drames. Est-ce qu'on peut dire qu'il est nécrophile? Ouais, ouais, c'est moi, ok, sûr. Voilà. Le suivant. Inouï comme un inouï sur la ligne de l'île. Ah, c'est nous, frérot. C'est quoi, tant qu'à faire, je suis dans le buzzer, tiens. Buzz avec les deux, non? En esprit, en moula. Fatigué, là. En moula, s'il te plaît. Black M ou Nekfeu? Nekfeu. Nekfeu, direct. Point. Des fois, j'aimerais être rebeu juste pour faire plus peur que pitié. Allez, c'est ici, je suis désolé, c'est ici. En moula. Jamais dans l'esprit, vous. Jamais dans l'esprit. Non, 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 regarde comment on est. Franchement, il y a de la triche, mais de ouf, là. Gizmo ou Desporuti? Ça va, c'est facile. Gizmo, Gizmo. Je pense que c'est Gizmo. Gizmo, c'est une mauvaise réponse. Merde! Mais comment, qu'est-ce que j'attends? Non, mais. C'est une mauvaise réponse. Question suivante, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Cette année, poteau, je les enterre profond comme le côté DZ de Big Flo et Oli. En esprit, en moula. Soso Maness ou Fianso? C'est Fianso. C'est terrible ce qui se passe. C'est Soso Maness. Voilà. Le refrain en entier de Soso Maness, si tu me le fais en entier, je te donne un point. Ah. Soso Maness. Soso Maness. Soso Maness. C'est pas ça. Je peux pas l'accepter. Si on peignait des coins en vert, les commissariats seraient des prairies. Là, j'ai buzzé bien comme il faut, mais je voudrais réécouter la question. Non, c'est pas possible. En moula, en moula. C'est bon, on a une chance. Écoué ou Fab? Fab. Trop facile. Un point. C'est mon champion, ça. Ça, c'est mon champion. Wallah, il a dit ça, il savait même pas que c'était ça. Ça va maintenant. Allez, on enchaîne. Tu l'appelles République, je l'appelle Damnation. Allez, en moula. Ah, c'est nous. Voilà, depuis tout à l'heure, c'est toi. Non, 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 c'est vraiment plus rapide. En moula, il est lent. En moula, il s'agit de Dean Burbigo ou d'Alpha One? D'Alpha One. Numéro 1, Alpha One, numéro 1. Un point. Je te mystifie comme un tweet. Ah là, direct. C'est là. Là, en moula. C'est Few ou de Freeman? Qui dit, redis-moi une fois. Non. Ah, je sais, je sais, trop tard. Il met trop de temps. Il met trop de temps, on a un chien. Je te mystifie comme un tweet. C'est comme un Twix. Non, c'est Freeman. Moi, je dis, c'est Freeman. Moi, je dis. Ça, t'as dit, c'est Few. C'est n'importe quoi. Il avait pas répondu encore. Tu l'as aidé, hein. C'est un point pour vous. Voilà. Freeman est rentré dans la légende avec cette phrase qui est incompréhensible. Depuis 23 ans maintenant. Elle n'est pas conne, elle est juste incompréhensible. Mais c'est vrai que CFU, c'est aussi un sérieux concurrent. Avec notamment Danse comme un cheval, qui n'a pas de sens, et le fameux Si la vache ne produisait pas de lait, l'être humain aurait bu du sperme. Il a un rapport très particulier avec les animaux, CFU. C'est la fin de la première épreuve, 6-3 pour les merguez Kibouzoudi. Merguez. Carte mystère ou carte purée, je vous explique. Carte purée, ça va être des questions sur le rap français, l'histoire du rap français, il y a des points à gagner. Carte mystère, c'est des cartes aléatoires, vous pouvez gagner ou perdre des points, c'est vous et votre chance. Vous prenez carte mystère ou carte puriste? Tu choisis quoi? Vous choisissez quoi? Carte mystère ou carte puriste? On choisit. C'est carte mystère ou carte puriste? Je crois, je suis pas sûr, il faut choisir une des deux. Viens, on a de la chance, nous on prend carte mystère, il y aura plus 20. Carte mystère. Regarde, là, ils vont se faire dégommer. Malus OM, Malus, moins 10 points, tout est de la faute de Jacques-Henri Hérault. Moins 10 points? Ça dure un à combien là? C'est la première moins fois qu'on est sort de rap. Moins 4 points. Moins 7. Moins 7. Point. Ouais, ouais. A vous, carte mystère ou carte puriste? Puriste, bien sûr. On joue pour 10 points. Quel groupe de rap américain a reçu un Oscar en 2006? En 2006, ma gueule, il y avait qui comme groupe en 2006 qui cartonnait? Migos? Migos? 2006, c'est un peu tôt, c'était la Trisix Mafia. Ah ouais, non, mais c'est ils sont même pas connus, frérot. C'était fatigué, eux. On enchaîne tout de suite avec la deuxième épreuve. Vous êtes dans Rap Jeu, il y a 6 ici, moins 7 ici. Ouais, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas moins grave. Moins 7, ça part en sucette, je l'avais dit. Tout est possible maintenant avec le Rap Sup album. Je vous explique le principe, soyez attentifs. Oui. Vous allez avoir une liste d'albums et vous allez devoir faire deviner leur titre à votre coéquipier, soit en mimant, soit en disant un seul mot. Ok. On va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut avoir les fiches? Et s'il y a des gadgets à poil, je me mets à poil. Tu peux faire ce que tu veux. Merci beaucoup. Allez, ça va, on va. Alors, on va commencer avec vous. Qui veut faire deviner à son coéquipier? Oh, le frérot, il est rentré avec un peignoir, personne n'a calculé. Comme si c'était normal, normal. Il vient avec un peignoir dans une émission, normal, y'a rien. S'il te plaît, respect. Tu as une minute pour mimer le maximum d'albums. Top! Ah! Hey, Jules, my voilà! Bravo! Continue! Vas-y! Voilà, les belles! Non mais il lui dit des trucs. Snoop Dogg. Il est où Snoop Dogg de ta mère? West Side. Ah ben Snoop Dogg, c'est West Side, frérot. Ouais, mais c'est Booba. Il est de... Comment ça, Booba, wesh? L'album. Booba, West Side. L'album, enchaîne, West Side. Enchaîne. Mais il a dit West Side, il a juste dit West Side. Bah, c'est son album. Bah, Booba aussi, il est de Los Angeles. Enchaîne.
Andale, andale. L'Algérino, l'Algérino, andale, andale. Ah, c'est bon, elle a répondu. Attends, c'est quoi? International. Il est en train de souffler. Ah, c'est bon. Tout. Mais non. On enchaîne, continue. Enchaîne. Mehdi, il est en train de souffler. Affranchi. Les affranchis. Oui, bravo. On a gagné. On a gagné. Parce qu'il m'a fait comme ça, quand il m'a fait comme ça, j'ai compris, moi. C'est bon, c'est fini, l'a dit. Non, je fais le dernier. Fais un dernier. Fais-moi un dernier. Ah ça, ah, continue l'ordre. Ah ça c'est Nicki Minaj. Mais c'est pas le nom d'album. C'est pas voilà, l'album. Ils ont triché. Il a eu, je vous le redis, il a dit Jule My World, il a dit Booba Westside. Il a pas dit Booba. Il a pas dit Booba. Sofiane, non mais il a dit Westside. J'ai dit Booba Westside. C'est le nom d'album. C'est le nom d'album. C'est une bonne réponse. Il a dit Affranchi de Sofiane et il a dit Interceptor de l'Algérino. Nicki Minaj c'est pas bon car c'était. Il te regarde tes trucs. Voilà donc 4 points vous passez à moins 3. Qui veut mimer de votre côté? Moi je mime. Donc tu mimes des noms d'albums intérieurs. Je mime. Des noms encore. Voilà pour toi. Tu prends connaissance de cette liste. C'est parti. Top. Mets-toi un peu comme ça, il va voir. Jouez. Trichez pas, les frères. La Kishta. Nom d'album. Rabbi Jacob. Non, c'est Hassan Enfoiré. C'est Hassan Enfoiré. Ne lui donne pas des indices. C'est... Ça va, je peux passer. Tu peux passer, bien sûr. Ah, ils sont crénés. Oh là là, mais je comprends pas. Oh là là, quoi? Refais. Oh là là. T'as pas le droit de parler avec ta bouche? Wesh, frère. Eh, tu veux qu'il parle avec quoi sinon? Titan, non, je connais pas. Oh, DD? PNL. Je dois sortir le nom de l'album. C'est l'album. Deux frères. Ah, merci. Ted, tu me fais de la peine. Je l'ai dit, tu me fais de la peine. Obligé, tu nous casses la tête tous les jours. Allez, enchaîne. Vas-y. Hasdi. Rof. Quel album? La fierté des nôtres. La fierté des nôtres. Oui, un point. Pour nous, hein. Pour nous, bien sûr. Rof de retour, c'est la fierté des nôtres. 10 secondes, il reste 10 secondes. Levé. Val. Ouais. Désaccordé. Non, putain, comment il s'appelle le tueur? 5 secondes. Putain. Là, on a terminé. J'ai oublié. C'est le monde des cruels. C'est le monde des cruels, putain. Notamment grâce. Allez. Ah quoi, c'est maintenant qu'il le découvre que le monde dit cruel. Merci. Bravo. 9 à moins 3, c'est l'heure, je crois, de passer à l'épreuve reine de rap jeu, les enchères. C'est l'heure de passer aux enchères. Je vais vous donner un thème. Par exemple, le nombre d'albums de Soul King. Par exemple, toi, tu te dis, je peux en citer 3, tu peux dire, je peux en citer 4, 5, 6. Tu sais ce que une équipe remporte les enchères. Vous allez me dire, je peux en citer 12. Et pourquoi? Je pense que c'est 13. Une équipe va remporter. Et si l'équipe arrive à me citer les 12 rappeurs, elle prend 12 points. Si elle n'y arrive pas, 12 points sont pour l'autre équipe. Aujourd'hui, le thème est le suivant. Spécialité régionale oblige. Combien de rappeurs de la région PACA? C'est où ça? C'est Marseille, c'est bon, vas-y. Non, c'est pas vrai, c'est pas Marseille, PACA. Vas-y, continue. Vas-y, non, on dit 10, nous, on dit 10. Vous commencez à 10. Ah ouais, êtes-vous capable d'en... 15. Je dis 18. Ah ouais, je dis 19. Moi, je dis 20. Allez-y. 22. 20. Ok, 20. Très bien, vous avez une minute. Je peux faire quelque chose? Tu peux faire ce que tu veux, merci beaucoup. Moi, je vais juste me mettre ici, s'il vous plaît. Non, il peut faire ça. Mets-toi derrière eux, sinon. Mets-toi derrière eux. Je vais surveiller. Mets-toi là. Comme ça, tu. Trop facile. Voilà, là, nous aide, hein. 20 rappeurs de la région PACA MCT, c'est maintenant top. Soprano, Alonso, Vicenzo, l'Algerino, Sosomanes, Laura Luciano, Freeman, Ayam, Ayam c'est pas un rappeur. Ayam c'est un groupe. Shuriken, Akhenaton, voilà. Allez, qu'on voilà. Zampe. Joule. Non, c'est Elams, Samblaz, On est à 12, vous avez le temps là. RK. C'est mort, Gambino. C'est mort. RK, pas, non, ils sont Gambino, pas. Gambino, SCH. SCH. Freeman. Tu as déjà dit Freeman. Don Choa, Sat, Menzo. Menzo. Encore trois. Ah, c'est Menzo. Voilà, ils étaient malins. Cops. YL. Califar Corps ou Black Marché. Bravo. Incroyable. Oh putain, j'y croyais pas. On a 20 points. C'est ta faute. Non. C'est exceptionnel. Ouais, c'était facile. Ils sont à combien là? 2, 3? Ils sont à 17 à 9. Ouais, ah, ils ont pris les 20 points. C'est quoi le délire là? Ils ont pris les 20 points, mais il y a bravo Karim. Eh oui. Une dernière épreuve qui s'appelle le biographo, et c'est tout de suite. Vous êtes dans Rap Jeu. Avant toute chose, pendant la pause, tu as commencé une imitation de Shuriken. Ouais. Je peux donner 5 points sur si l'imitation est bonne. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On vit dans un shambara, la fierté et la loi. Tue comme un bon vieux coup au sawa. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Merci.
Merci. Oui. Moyen. Franchement. Non, on applaudit, mais un peu. R6, pneu qui glisse, silence brisé par les sirènes de la police. Polo façonnable, survêtement minable, mère au trait de caractère admirable. Chichon bidon, histoire de prison, stupide division. Eh oui, gros. Des points là. Là, il me fait le coupé d'Akhenaton. Deux points. Allez, avant toute chose, carte mystère ou carte puriste? Je mets tapis. Mystère. Allez. C'est là, c'est soit on perd, soit on gagne. Vous avez le bonus Marseille. Attends, merci bien. 5 points en plus. Mais comme à Marseille, on exagère toujours, c'est plus 10 points. Merci. Vous égalisez. C'est incroyable. C'est exactement ça qu'il faut connu, on a toujours été volés à Marseille. T'as pas vu, les arbitres, ils sont corrompus dans le Mais vous aussi. Ça veut dire une carte mystère ou une carte puriste. Ouais, on a eu 10 points gratuits, frère. Non, mystère. C'est un mystère, il va nous mettre dedans depuis tout à l'heure, le mystère. Carte puriste. On joue pour 5 points. Allez. De manière extrêmement précise, pouvez-vous nous dire où est la Moulaga? La Moulaga? Elle est où? Elle est à Bogota. Non. Elle est à Bogota? Bah oui. Attends. Non. Elle est où? Elle vient de Bogota à la base. Je connais Hess, c'est mon pote. Elle vient de Bogota. C'est Hess, il est chez lui. Elle est partie, on sait pas où. C'est Hess, la grosse Moula. C'est Hess, la grosse Moula. Écoutez, on reste à 19 partout et on passe à la dernière épreuve. C'est Manon, c'est le biographo. Je vais vous raconter des histoires sur vos adversaires. Elles sont peut-être vraies, mais elles sont peut-être fausses. Ah, j'aime bien. À vous de deviner, en sachant que vous pouvez poser une question à votre adversaire, une seule. Donc c'est une question sur les dégâts que je vais vous poser donc à vous. Le film Les Dégâts classe une casette à Prison Break, sauf que le plan d'évasion est tatoué sur le cul de Nono. Vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Pas vrai, c'est dans le cul. Et moi je vais faire ça dans le cul. Il a répondu tout de suite. Vrai. Un point. Non, il a dit sur le cul, alors que le truc c'était dans le cul. C'était dans le cul. Là, je l'accepte. 20 points. Merci. Oui, en fait, il dit la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un tatouage sur le bas du dos et les fesses, mais après, Karim ou Nono, je sais plus, prend la main de l'autre et lui dit « Maintenant, on va passer par le tunnel » et lui met la main dans le... Bref, soutenez le cinéma français. Autre question sur eux. Dis-moi. Karim et Nono se sont rencontrés à l'école primaire. Ils étaient en couple, en CE1. Vrai ou faux? Faux. Ah bah c'était vrai. Alors faut leur poser des questions. Non, on n'a pas posé la question. Non mais il était sûr de lui. Il dit c'est faux. C'est faux. Un point en plus. Eh merci bien. À vous. Il paraît que Soul King connaît la fin de One Piece. Non, oui, il connaît. Oui, il connaît la fin de One Piece. Tu connais, frérot? Non, je rigole. Je la connais, ouais. La réponse que j'ai, c'est faux. Exactement. Tu ne connais pas la fin de One Piece. On nous dit effectivement que tu as parlé, mais c'est une théorie, tu ne connais pas la fin exacte. Mais je connais pas, j'ai donné ma théorie, en plus elle est last deg, tout le monde la connaît la théorie. C'est quoi la théorie? Que tous les océans vont s'unifier, ça fera une pièce, d'où le nom One Piece. Moi j'ai parlé avec le gars, il m'a dit que tu connais la fin. C'est qui le gars? Dessinateur. Un nom de dessinateur au hasard. C'est un point. Picasso. C'est un peintre. Ouais, c'est un peintre. Pour l'accepter. Eh ben quoi, frère, il dessine, il fait des croquis aussi avant de faire ses peintures, non? Il fait pas des croquis. Question. L'intro du clip La Quicheta s'inspire de Question pour un champion. Vrai ou bien sûr, totalement. C'est votre réponse? Oui, bien sûr. C'est vrai. Non, c'est faux, c'est pas du tout. C'est le 12 coups de midi. 12 coups de midi, c'est quoi déjà? On a compris. Peu importe. Puisque, en vrai, tu aurais dû t'inspirer de rap jeu. C'est le meilleur jeu au monde. Ça fait donc 5 points en moins pour tout le monde. Parce que Internet, c'est mieux que la télé. Nous, on a raison. Oui. C'est la fin du jeu. Il n'y a pas bien vu. Je propose qu'on joue tout sur les cartes mystères ou les cartes puristes. On joue tout sur qui tout doux. Allez, vas-y, ça va, ça me va. Donc, on va jouer pour 10 points. Bref, peu importe, on s'en fout, on verra. Celui qui marque, il gagne. Est-ce que vous choisissez une carte mystère ou une carte puriste? Viens, on fait puriste. Puriste? Puriste, alors. Ouais. Comment s'appelle le groupe formé par Al Capote et Katana? Si vous ne répondez pas bon, ils vont gagner. Salope. Quoi? C'est bon, c'est pour nous normalement. C'est la réponse ou c'est une... Non, il parle à toi. C'est bon. Quoi qu'il arrive, vous avez perdu. Quoi qu'il arrive, vous avez perdu. C'est une victoire de... C'est King Eclipse. Bravo. C'est l'Algérie qui gagne. À la fin, c'est toujours l'Algérie qui gagne. Bien sûr. Bravo. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur votre stratégie aujourd'hui? Bah, écoute, je pense que j'ai presque tout donné, comme on l'a dit. C'est vrai que t'étais très bon. J'ai été très bon, ouais. Moi, je pense que c'est plus le t-shirt qui les a... Les impressionnés, tu vois. Les impressionnés, frérot. Ils étaient tellement impressionnés par les deux. Ouais. Les deux. C'est très vrai, ça. Messieurs. En plus, vous avez triché de ouf. Est-ce que vous pouvez venir ici et faire la promo de Soul King Eclipse, s'il vous plaît? Venez, les gars. C'est le jeu. La tête de ma mère, allez écouter l'album de Soul King. Voilà. Il y a tarpin de titres, et vintage le titre. Et c'est carré comme le gros cul à Maria Carré, comme le menton de Jim Carrey. Bravo. Vous restez là, vous avez un gage du coup comme vous perdez aujourd'hui. Toi tu dois dire face caméra que Paris est le meilleur club du monde et toi que Paris est la plus belle ville du monde. Il a vu celui-là. Je lui donne laquelle. Choisis, on va... Allez,
Paris FC est le plus grand club du monde. Tu m'as pas dit de dire PSG ou Paris bravo, FC. Non, bravo, non, c'est bon. Voilà. Bravo, bravo. Tu te sens pas bien. J'ai une crampe. Ouais, je comprends. Il sort sur blessure, il sort sur blessure. Bravo, 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 bravo. 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 C'est un plaisir. T'es venu pour gagner. Ah ouais. Pif. Merci mon bravo. Gars. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais de gagner que j'ai gagné. Bravo. C'est une très belle émission. J'ai pas compris tout ce qui s'est passé. Dans tous les cas, activez la cloche et rendez-vous dans deux semaines.